Quatrième chapitre calcul littéral développé. Allez, c'est le dernier qu'on fait en correction vidéo. Parce que maintenant, vous devez réussir assez facilement, enfin j'espère. Ici, dans le numéro 34, deux calculs un petit peu plus compliqués. On va les voir en détail et maintenant, ça devrait aller assez bien. Allez, on y retourne. Pour l'expression A, je dois développer, donc enlever les enveloppes, hein. J'enlève les parenthèses. Alors j'ai cette fois-ci x lot et avec à l'intérieur de chaque lot 5x plus 1, donc x fois 5x. X fois 5x, je détaille à côté x, pardon, fois 5x, c'est bien x fois 5 fois x, c'est-à-dire 5x, 5 fois x fois x, 5x au carré. On l'a déjà rencontré cette affaire-là. Hein, dans d'autres expressions, quand il fallait simplifier cette écriture, on avait réussi, on ne l'oublie pas, on ne le perd pas de notre tête, c'est tout. Au niveau des signes, plus fois plus, ça va rester plus. Donc pour le premier, c'est 5x au carré. X fois 1 plus 1x. On se souvient, 1x, c'est la même chose que x. Allez, on va le faire super classe dès le début. On n'écrira pas 1x, on écrira x. Cela dit, si vous, vous avez écrit un x, ne le comptez pas faux, c'est juste. Rajoutez juste ici l'expression finale, c'est plus joli. Mais avec un x, moi ça me va toujours très bien. Vous êtes encore en quatrième, donc ça m'ira. Ici pour le b, nous avons 3 lots de 2x et avec 13 euros de réduction. Alors, 3 fois 2x, 6x, hein, 3 fois 2, 6 fois x, 6x. Plus 3 fois plus 2x, c'était bien plus 6x. Et maintenant 3 fois 13, 39. Sauf que c'est plus 3 fois moins 13, donc moins 39. Le C. Alors ici un petit peu plus compliqué. Combien on a de lots cette fois-ci? On a 3x lots et dans chaque lot on a 5x plus 2. Alors déjà ce qui est sympa, c'est que si là c'est un peu plus compliqué, on n'a pas de signe moins, donc pas de question à se poser, tout sera positif. Hein. Pardon, pas forcément positif, mais tout sera avec des signes plus. Voilà, alors ici, je vais détailler un peu le 3x fois 5x. On l'a déjà rencontré, mais ça reste que toujours un petit peu compliqué. 3x fois 5x, tout le monde aura bien pensé à faire 3 fois 5. Pardon, c'est la même chose que 3 fois x fois 5 fois x. Donc tout le monde aura pensé à faire le 3 fois 5, 15, fois x, c'est-à-dire 15x au carré. D'accord? Ici, on a 15x au carré. 3x fois plus 2, eh bien, plus, c'est la même chose que 2 fois 3x, donc plus 6x. Plus fois plus, on l'avait dit, hein, on n'aura pas de simple problème de signe. Le D. Alors, moins 4 fois 7 moins 9x. Donc, on a moins 4 lots, donc on doit rendre 4 lots, avec à l'intérieur 7 et une réduction de 9x. Alors, moins 4 fois 7, 4 fois 7, 28. Moins fois plus, moins. Ensuite, moins 4 fois 9x, 4 fois 9, 36. Donc, 36x. Et on a moins fois moins. Et cette fois-ci, ça nous fait plus. Plus 36, donc. Et on continue, le E. On a 3 lots et à l'intérieur du lot, on a moins 7x moins 3. Donc là, ça fait beaucoup de signes moins cette affaire, il faut être vigilant. Alors, 3 fois moins 7x, 3 fois 7x, ça fait 3 fois 7, 21x. Plus 3 fois moins 7, moins 21x. 3 fois 3, 9, mais ce n'est pas 3 fois 3x, mais 3, pardon, ce n'est pas 3 fois 3, c'est 3 fois moins 3. Donc, plus fois moins, ça fait moins 9. Les lots, encore des lots, toujours des lots que l'on va défaire. Donc ici, pour le F, on a moins 2x facteur 2 moins x moins 4. Donc moins 2x fois moins x. Donc je vais faire déjà, je vais déjà m'occuper du moins, ça va me libérer cette affaire. Moins fois moins, ça me fait plus. 2x fois x, ça fait bien 2 fois x, 2x au carré.
Ici encore, moins 2x fois moins 4, je vais m'occuper du signe parce que ça me fatigue déjà rien que d'y penser. Donc là, comme ça, j'ai plus besoin d'y penser. Je m'en suis occupée. J'ai donc à faire 2x fois 4. C'est la même chose que 4 fois 2x. 4 fois 2, 8 fois x, 8x. Et voilà, l'exercice 34 est terminé. J'espère que vous l'aviez réussi et que là où vous étiez trompé, bien vous avez maintenant compris votre erreur et que vous ne la ferez plus pour l'exercice 35. Pour vous entraîner, je vous suggère aussi d'aller regarder le site que j'ai mis sur la chaîne YouTube. Hein. Je vous ai mis un petit site aussi, une petite chaîne YouTube qui pourra vous aider. Eh bien écoutez, bonne continuation et bon courage pour la suite.